What's up, chers internet? J'espère que vous allez bien sur le rôle du premier niveau compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Donc aujourd'hui, les amis, nouvelle mise à jour sur Skill PvP. Je viens de voir ça sur le site en fait. J'ai vu que j'avais une mise à jour aussi quand j'ai lancé mon launcher. Donc on va regarder tout ça. Je vais juste faire vite fait HDV avant parce que j'ai des items à récupérer. Donc j'ai ça. Ok, c'est cool. J'ai quand même quelques items à récupérer. Donc on va les mettre là pour l'instant parce que c'est la mise à jour qu'on veut se concentrer. Donc la nouveauté, les amis, cette semaine, c'est de la poudre à canon aquatique et de la TNT aquatique et des creepers aquatiques. Ils sont où les creepers aquatiques? Ils sont ici. Donc, des creepers aquatiques, ça prend quoi? De la TNT aquatique entourée d'un creeper. Ok. Comment qu'on la craft celle-là? C'est avec de la poudre à canon aquatique. Et comment on fait de la poudre à canon aquatique? Avec des pépites de Tita. Franchement intéressant, les amis. Attendez, il y a quoi d'autre qui est nouveau? Attendez. Ça, c'est cool. Attendez, on va voir vite fait. Je vais lire un truc sur le site. Donc, niveau des nouveautés et des corrections. Ils ont ajouté les creepers aquatiques, donc ce qu'on vient de voir en fait. Et c'est quoi ça fait comme truc? Un creeper aquatique qui explose sous l'eau. Donc ça veut dire que ok, on peut faire des pillages de base protégées. Okay, ça veut dire que ça devient de plus en plus dur, les amis, sur Skill PvP de faire une base full anti-pillable. Ok. Donc ensuite, la TNT aquatique, c'est une TNT qui explose sous l'eau. Donc moi, je pense personnellement que c'est mieux le creeper que la TNT. Parce que la TNT, tu peux pas la poser. Donc ça dépend. Si t'arrives à faire un canon, ça... Ok. Ajoute de la poudre à canon aquatique, c'est pour le craft. Ajoute un système de page. Donc dans slash class, à ce classement, il y a un système de page maintenant. Ah ben ouais, regarde, je peux voir les... Moi, je suis à 900 000 et ainsi de suite. Ah, ok, on peut... Ah, ça c'est cool, on pouvait pas avant voir les 30 premiers. Maintenant, on peut. Donc ça, c'est cool. Même chose pour le PVP, j'imagine, c'est dans tous les trucs. Ok, nice. Ensuite, ils ont fait aussi la correction du ping. Ok, ils ont rajouté les pings, vu que les pings faisaient lag, ok. Les pings, je parle, c'est les pings en haut de l'écran, là. Ensuite, correction d'un bug où ça a cassé les blocs quand on s'en fout. Correction d'un bug où ce bug, on s'en fout. Ok, modification d'un ajout enchantement sur une farm tour niveau 30. 30 niveaux d'expérience vous seront demandés. Ok, plutôt cool. Correction. Ok, oh, ça c'est intéressant. Modification sur les citrouilles et les melons. Donc maintenant, les pistons ne poussent plus les melons et les citrouilles. Donc les machines ne fonctionnent plus. Par exemple, ils disent entre parenthèses qu'ils vont rajouter un nouvel item, une nouveauté pour ça plus tard. Ok. Intéressant. Intéressant. Donc moi, qu'est-ce que je vous propose, les amis? J'ai combien là? C'est dommage parce que j'essaie de faire mon défi d'avoir 1 000 000, mais je pense qu'on va devoir dépenser un peu, à moins qu'il y ait déjà un creeper aquatique ici. Mais j'ai pas envie de... d'acheter un creeper aquatique. On va s'en faire nous-mêmes, ok? Parce qu'on a des creepers, on a du tita, fait qu'on va en crafter, ok? Ça va juste nous prendre, même la TNT en fait j'en ai. Ça va nous prendre du sable. HDV, sable, il n'y a pas de sable. Je sais pas si j'ai un home dans du sable ou je sais pas comment qu'on va faire. Peut-être que tu passes à la... Ok, je vous retrouve avec tous les ingrédients dans les mains, les amis. On va faire la nouvelle TNT, on va la tester. On va aussi le tester quand même sur mon propre cœur. Je vais le tester sur mon propre cœur pour pouvoir voir qu'est-ce que ça donne. Je veux quand même avoir une avis personnelle de qu'est-ce que je trouve que ça fait, etc. Par exemple, il faut juste que je trouve du sable. Donc, je vous reprends avec du sable. Ok. Wow, what the fuck? Oh, les gens, ils spamment QC, vu que QC, ça se transforme en québécois. Oh, ça, c'est casse-couille. S'il vous plaît, fixe Skill PvP. Bon, j'ai pris à peu près tout ce que je pense qu'il nous faut. Donc, voyons voir comment faut commencer ça. En fait, c'est la poudre, ça prend... Ok, des graines. Bon, je pensais que c'était des minerais. Donc, on va pas toutes les transformer. On a transformé quelques-uns. Et j'ai pris de la poudre avec mon kit druide. Donc, on va faire ça comme ça. Ok. Comme ça, ça va nous en faire 5. Ok. Et là, ensuite, on a de la poudre, ok, ça c'est bon. Là, faut juste que je vois comment on craft... Attends, c'est quoi pour le creeper? Nous, moi, je veux les creepers, personnellement. Mais on va quand même faire de la TNT. Ils sont où, les creepers bleus? Les creepers bleus sont ici. Ok, ben de toute façon, ça nous prend de la TNT. Donc, la TNT, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok, avec 4 sables. Ok. Donc, on va aller tester. On en a assez, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Avec du sable dans tous les trucs. Ça nous en donne combien? Juste une! Ouch, ok. Ça va coûter cher à faire des trucs comme ça d'abord, mais bon, c'est pas grave, hein. Quand on écrave, ça nous en donne combien? Ça nous en donne... Ah ouais, ça donne seulement le montant qu'on met, en fait. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça va être dur à avoir des creepers
des creepers sous l'eau, mais hey, en même temps, s'ils sont capables d'en rajouter dans le kit explosif, genre ils rajoutent un dans le kit explosif, moi je dis pas non, tu vois, je dis pas non. Les creepers on en aura besoin de toute façon. Donc, ok, on a quelques poules, on va les diviser dans les coins comme ça, donc les coins comme ça et comme ça. Voilà, ça va nous en faire 3, voilà, parfait. Et on va en mettre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Normalement, on aura quelques TNT. Toujours pas assez pour crafter le truc, donc attendez, je vais faire mon kit druide. Boom, ok, on en a 24 encore, c'est pas si mal. Donc, on va faire ça, on va le faire, les amis. Enfin, quoi de fait, je sais pas. Je vais regarder à la tête. Creeper aquatique, il vend 4800 l'unité. Aïe, ça fait mal à mon anus, ça, les amis. On va pas se mentir, ça doit faire bobo. Attendez, donc on va faire ça. Fou, peu là. En fait, j'ai une meilleure idée, on va juste faire tac tac. Tac tac, plein de fois, et tac tac, normalement c'est bon, 24. Voilà, donc 28, là on peut se séparer comme ça, donc ça fait 5 x 5, voilà, 5 x 5, on met 5, 5, 5, 5, voilà. On a quelques TNT, donc on en a 8, c'est parfait, c'est ce qu'on avait besoin. Donc on va quand même en faire une de plus, pourquoi pas, comme ça je peux tester la TNT, tu vois. Donc parfait, donc ensuite, faut mettre un creeper dans le milieu, je crois, et entourer creeper, TNT creeper, et ça nous fait un creeper aquatique. Ok, maintenant, j'ai même pas envie de le tester tellement que ça m'a coûté cher le faire, mais on va quand même le tester. Ça m'a coûté, vous avez vu, presque 9 blocs de titan faire tout ça, gros. Faire un, ça m'a coûté quasiment 9 blocs de titan. What the fuck? Ouais, ça m'a coûté quasiment 9 blocs de titan. Ouais, je vais quand même utiliser ça pour recrafter du titan, mais je pense pas qu'on aura assez pour refaire un bloc, même pas, gros. On aura, what the fuck? Ça coûte vraiment cher, ça coûte vraiment, vraiment cher. Bon, c'est pas grave, c'est déjà ça. Donc, on va tester la TNT sous l'eau. C'est des pires d'exploser sous l'eau. Oh, c'est quoi que ça dit sur le creeper? Ça dit rien, ok. Ça dit juste creeper aquatique. Ok, on va faire un test intéressant, en fait, parce que j'ai un cœur, justement, qui pourrait vraiment être utile si j'arrive à en crafter plein. Attendez, je vais vous montrer. Donc, le cœur de la Haribo. Donc, le cœur de la Haribo, il est... attends, ça va prendre des perles. Ah merde, j'ai pas réussi à le faire. Kit explorateur. Donc, on va faire notre kit explorateur. Je vais vous montrer pourquoi ça devient intéressant. Attendez. Parce que, regardez ce genre de base, ok? C'est un bon exemple. On va se mettre ici. Donc voilà. On va se mettre dans le trou ici. On va perle là. Whoop-a-l'ai. Ensuite, on va perle là. Whoop-a-l'ai. Ok, parfait. Donc, comme ça, c'est bon. On va juste mettre notre casque. Y a-t-il quelqu'un dans les entours? Non. Oups. Near. Non, je pense pas. Donc, ah, ben, ils ont enlevé la Space Epsi, mais ici, c'était rempli de Space Epsi avant, donc ils l'ont changé, mais, ah, c'est dommage, c'est dommage. Oh, shit. Holy shit, j'ai failli mourir, les amis. C'était pas, c'est passé tout près, quoi. Je vais prendre une pump cheat pour me réanimer et partir au spawn, mais, ouais, c'était quand même, ah, c'est dommage, putain, il faudrait que je vous montre sur ma base, en fait. Ok, je vais vous montrer, non, je peux pas vous montrer ma base, mais elle pète sous l'eau, comment je pourrais tester, mec? Ah, oh, fait chier, fait chier, fait chier. Comment je pourrais montrer? Là, c'est que là, j'avais une bonne truc parce que c'était c'était bien recouvert de space et tout, mais je pense qu'ils ont dû se faire piller. Ils ont fait piller? Non, ils sont pas fait piller, ils ont juste changé le cœur de place, je crois. Fait chier, ça, mec. Bon, c'est pas très, très grave, ok? On va pas se suicider, les amis, mais ça fait chier quand même. Bon, il veut nous faire un petit don. Je vais essayer de trouver un endroit, les amis, puis je vous reviens. Okay, donc je pouvais pas vous taper mon cœur parce que vous avez vu mes protections etc, mais je me suis rappelé qu'à la farm on avait de l'eau comme vous voyez ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir la TNT déjà, comment ça fonctionne, et le creeper aussi. Donc je vais vraiment utiliser pour cette vidéo là un creeper aquatique. Oh, j'ai déjà envie de me suicider les amis, mais bon c'est pas grave. Donc normalement, ok, normalement je dis bien, ça devrait péter même si on le met dans l'eau. Donc normalement une TNT... Okay. Il y a un bug. On peut pas la tester tout de suite, putain. Et le creeper aquatique, lui, si le creeper normalement est censé te faire péter dans l'eau, les creepers aquatiques n'existent pas, les bugs c'est comme ça. Tabarnak, c'est quoi ce qu'il y a de PVP ça? En vrai, honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée pour le truc, comment ça s'appelle, pour les pillages. Ça fait qu'il y a de moins en moins de bases qui sont entre guillemets what the fuck. Qui a cassé ça? Ah, c'est les admins, ils ont dû les mettre dans un coffre. Hein? What the fuck? Peut-être les gens de ma fac. C'est chelou parce qu'ici, on avait une machine automatique avec des pistons, mais les pistons, maintenant, ils ne poussent plus les citrouilles et tout. Donc, ils ont dû tout défaire la machine. Ah, oh, merde, ça fait chier ça.
C'est bizarre. Maintenant, je vais aller voir avec le truc de la Pharmax. Il parle d'un nouvel enchantement pour la Pharmax niveau 30. Donc, on va aller voir c'est quoi. Je vais essayer de me faire quelques recherches là-dessus. Et je vous montre tout ça tout de suite après. Ce que j'ai compris, il n'y a pas de nouveau enchant. En fait, c'est juste que maintenant, avant, on pouvait enchanter la Farm Tool tous les niveaux. Mais maintenant, on peut seulement... oups, je crois que c'est le côté, ouais. On peut seulement l'enchanter niveau 30. Donc, à ce que j'ai compris, c'est seulement ça. Il n'y a pas de nouveau enchant. C'est dommage, j'aurais aimé ça voir un nouvel enchant. Des nouveautés dessus. Peut-être genre un... Je sais pas, un gagneur d'XP rapide. Quelque chose de vraiment intéressant qui aurait pu être fait aussi. C'est de rajouter sur, sur d'autres trucs. Donc, comme par exemple la canne à sucre. Ce genre de truc. Ça aurait été vraiment cool, mais bon. Dans le futur, peut-être. Donc, oups, c'est la table d'enchant qu'on a besoin, en fait. Et là, il y a Kit Kat Ben. Message, Kit Kat Ben, t'es beau. Donc, voilà. Donc, si on enchante, on peut pas. Ah, oui, attends, on peut plus l'enchanter. Faut-tu taper sur la table? C'est quoi faut faire? Attends, je vais rechercher. Comment on enchante une farm tool? What the fuck? On peut pas l'enchanter, genre faut mettre des livres dessus. Mais ça dit modification d'un ajout, enchantement sur la farm tool, 30 niveaux d'expérience. Vous... Oh, ok, si tu veux mettre un ajout dessus. Ok, ok, je vois, genre dans la. Ok. Par exemple, si je vais au shop, ok, ok. Je viens de comprendre, ok. Je viens de comprendre cette mini modification. Donc faut mettre des livres dessus, mais faut mettre genre Fortune 3, U3, ce genre de trucs, vous avez compris. Mais maintenant, il faut payer 30 niveaux pour rajouter un livre. Donc par exemple. What? Ok, arrête. Book, il y a sûrement des books qui vendent des trucs de farm, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh, okay, voilà, parfait. Pomme de terre, bon, parfait. Donc, pour mettre ça à 500$, faudra donc, si je comprends bien, avoir 30 niveaux. Ok, ok. Aussi, truc vraiment intéressant cette semaine, les amis, c'est que l'arène maintenant, c'est plus stuff space, stuff mété, c'est interdit à l'arène. On a seulement besoin de nos stuff P4 cheetah, mais on peut quand même utiliser une space blade ainsi qu'une. Comment ça s'appelle? Une épée météore, des fighters. Des trucs comme ça, on peut utiliser tous les types d'épées en space. Donc ça c'est plutôt intéressant. Malheureusement, on peut plus utiliser de full space. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai vendu tous mes full space, ce genre de trucs. Ok, je vois, ok. Donc ça m'a pris 30 niveaux pour enchanter mon livre. Ok, avant ça prenait seulement 5-6 niveaux. Ok, ok, cool modification. Je pense qu'on a fait le tour, ensuite il y a quelques autres modifications de correction de bugs à partir des points de faction qui sont pas multipliés. Donc nous, ça nous est arrivé, malheureusement ils veulent pas nous rembourser. Ce que je comprends, parce qu'on a eu 3000 points direct. On avait 1000 points dans notre cœur et ça nous les a pas triplé quand on possédait la reine. Bon, c'est un peu de la triche, mais bon, quand même, je veux dire, et voilà quoi, c'est les jeux. Ensuite, il y a eu aussi une correction où ce qu'on pouvait pousser l'obsidienne, l'aspect obsidienne avec des pistons, donc ça a été corrigé aussi. Et ils ont corrigé le bug, je crois, qu'ils ont corrigé pour faire les cœurs anti-use bugable. Donc ça va être ma prochaine vidéo, les cœurs anti-use bugable, anti-pillable, etc. Donc ça, je suis plutôt content de vous présenter et plutôt intéressé à vous les présenter. Sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Iconz. Ciao, ciao. MDR, j'ai acheté un casque, un truc à l'HDV à 4000. J'avais un skill bag à l'HDV, j'ai eu un casque en muté, les gars. Oh my god, putain, la chatte, quoi. 20 000, tiens, on va le vendre, on l'a payé 4 000 de skill bag et on le rachète pour 20 000. Oh my god, la chatte, les gars. What the fuck, j'ai en internet, j'avais exactement 354 minerais de titacite et maintenant, il m'en reste plus que 38 et j'ai crafté 62 TNT aquatiques, j'en ai internet. Et je vais tout simplement, 63 exactement, quasiment un stack. Malheureusement, j'avais plus de gunpowder, mais j'aurais pu peut-être en trouver un peu plus pour en faire 64. Il m'en manquerait juste deux. Mais bon, c'est pas grave, on a 63 trucs, donc on va crafter 63 creepers aquatiques. Non, je rigole, on va en crafter 7. Donc 7 creepers aquatiques pour seulement, pour 39 blocs de titacite. C'est quand même, attends, pas 39 parce que j'en ai ici, je peux en crafter avec ça. Pour exactement... 35 blocs de titacite pour 7 creepers aquatiques. Pour ouais, 8 creepers au total. What the fuck, j'en ai internet. C'était plutôt difficile pour moi. J'ai envie de me suicider maintenant, mais bon, voilà quoi. À plus dans le bus, les amis.